Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore sur Stronghold 2, tournée à la suite de la précédente. Pour vous donner une idée, la précédente a été, je l'ai arrêtée vers 19h11, et là il est 19h13. Donc on se retrouve sur Stronghold 2 pour vous montrer, comme promis la dernière vidéo, sur les sièges. Donc les sièges c'est, jouer, voie de la guerre et siège. Donc vous voyez, on va dans le menu. Et là, on a des châteaux qui sont aussi des maps hein, de guerre. Donc on a, donc on va prendre celle-là. Et donc on a aussi un truc. Castle Iber, construit sur un étroit contrefort rocheux au-dessus de la vallée de Décinie. Castle Iber illustre parfaitement les châteaux bâtis par les princes gallois. Il est pourvu de courtes basses et de deux tours allongées en forme de dés. C'est plus grande tradition de ski gallois. Les pentes étroites et rocailleuses s'ajoutent au dispositif de défense. Le château finit par tomber aux mains des Anglais lors de la conquête du pays de Galles par le roi Édouard en 1283. Pourquoi pas. Et comme vous voyez, pour notre plus grand malheur, il n'y a pas. Là, on a le pays. Et comme vous voyez, pour notre plus grand malheur, il n'y a pas de France. Il y a de l'Allemagne, il y a de l'Espagne et il y a du Royaume-Uni. Ou Grande-Bretagne. Royaume-Uni plutôt. Là, c'est le pays de Galles. Donc, ben, je vous propose d'y aller. Donc, on peut choisir entre prendre le commandement de la garnison et prendre le commandement de l'attaque. Moi, je vais prendre le commandement d'attaque. Et donc, on va mettre moins pour ralentir et pour observer ce qu'on a et qu'est-ce qu'on doit. Donc là, on va tourner. Donc voilà. Donc on a un château composé de tout, ça. Ça c'est une défense qui fait tomber des rondins et qui tape ça. Donc comme tout, nous devons attaquer le seigneur juste là. Notre objectif, quoi qu'il arrive, c'est tuer ce gars-là. Donc pour ça, on a toutes les options. Donc regardez nos options. On a des échelles. Quels sont vos ordres ? Des échelles. Des persos aux échelles. On a des ça. Donc je vais vous faire la liste. On a les chevaliers, les envalitriers. Là et là, on a des massues. Votre Majesté. On va dire les personnages des massues. Là, on a les lanciers. Là aussi, je crois. Oui, monsieur. Ouais, c'est ça. Qu'y a-t-il pour votre service ? Là, nous sommes à vos ordres. Un bélier. Là, que peut-on on a faire pour une vous archère. Une baliste. Là, votre cible, messire. Là, c'est les archers. Nous vous écoutons. Et là, on a les protèges. Les protèges de bois. Donc, moi, j'ai déjà fait cette map et je pense que je vais utiliser la même méthode. Donc, ma stratégie, ça a été. Donc, en fait, pour passer à travers la porte, vous venez d'un crusader, on cassait avec les chevaliers. Là, les chevaliers sont moins nombreux car c'est une unité plus forte, mais surtout plus dur à sortir. Donc, ce qu'on va faire, notre méthode, c'est qu'on va arriver par là. On va arriver là. Et donc, une fois là, on a deux moyens d'y accéder. Soit on passe là, on passe comme ça, et on arrive. Mais moi, je vais proposer un deuxième moyen qui permet d'être mieux. On va arriver là, on va stacker les unités là, on va détruire ce bélier, donc pareil. Et puis là, pour accélérer plus vite, on va traverser là avec du monde, avec nos soldats. Et puis on va s'arrêter là, et on va mettre l'élan, les échelles. Et tout le monde va pouvoir monter. Donc vous voyez, il y a quand même une muraille là. Mais tout le monde va quand même pouvoir monter et atterrir dans cette tour qui va permettre de traverser là et d'accéder directement là. Donc c'est ce qu'on va faire. Et puis après, je montrerai peut-être d'autres techniques. On peut par exemple sûrement pouvoir faire un truc en passant par derrière. Non. Mais bon. Donc c'est parti. Donc on va faire avancer chaque unité par unité. Hein ? Donc vous... Ça va prendre la journée ! Vous allez là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos instruments sont prêts. Nous allons là. C'est vraiment trop loin. Donc là. Nous sommes à votre disposition. Toi, je vais te dire d'aller péter ce truc. On va faire ça. Dites-nous quoi faire. On va faire ça. On va les emmener là. Ça va prendre la journée. Je vous écoute. Les échelles, faut les mettre un petit peu un poil rosé. Nous vous suivrons au bout du monde. Parce qu'ils sont extrêmement fragiles, mais ils sont extrêmement utiles. Je brûle la patience. On va mettre les archers par là. Armons et parvaux, nous irons.
Pourquoi pas? Archers, à vos arcs! Par monts et par vaux, nous irons! Les chevaliers. À vos arcs! Les armes. Sortrées, on va les mettre là. Parce que nous les chevaliers. Jusqu'au bout du monde! Ils servent à tuer le seigneur. Pas plus. Messire? La baliste, on va les mettre là. Nous nous rendons sur place. Et les deux. Qu'y a-t-il pour votre service? Et les deux trucs. Je vais leur dire d'aller là. Bien compris. Comme ça, je vais pouvoir leur dire d'essayer d'attaquer. Donc, on va augmenter un peu la vitesse. On passe à 40. Ça fait quand même beaucoup d'unités à afficher. Donc, j'ai juste laissé les deux. Nous trucs sommes à vos ordres. Parce que je les utilise pas. On va quand même les envoyer là. Nous y allons. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'archers. Ils vont tuer les unités. Mais c'est là que sert un siège, c'est qu'on est extrêmement beaucoup. C'est qu'on est extrêmement beaucoup plus nombreux. Pas très pensé, mais bon. Là, vous voyez, les archers vont tuer. Ils sont beaucoup plus nombreux. Après les archers, ils peuvent nous pas faire grand chose, j'ai l'impression de là. Donc on est là. Qu'ils puissent bosser un petit peu. Là vous voyez, ils tirent en haut. Que peut-on faire pour vous? Là je cherche les deux balistes. Et je vais en train d'attaquer là. Là, le but, c'est péter ce truc. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, c'est un peu lent. À vos lances ! Je vais leur dire... Ouais, on va le faire. On va dire au petit peu de monde... Quelle est notre mission ? Repoussez ces canailles! Là, je vais en faire des attaques. Ils ont tué tout le monde. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, car on va faire charger. En route, chien-galeux! Nos instruments sont prêts. Là, on va leur dire de charger, tout simplement. Donc c'est normal, ça a un petit peu de mal, parce que j'ai pas... Nous sommes à votre disposition. Et là, on va leur dire de charger immédiatement là. On va même commencer à dire aux chevaliers d'avancer. Nous irons jusqu'au bout du monde! Où est l'ennemi? Donc là, avant qu'il s'en débarrasse, je vous dis que c'est là. Parez, messire! Et on va laisser se dépêcher. Pour notre seigneur et maître! Je vous écoute. Là, on va aller faire assez. C'est parti. Par contre, je perds du manger quand même, tout le monde. À vos ordres. Là, il m'a de nouveaux ordres. J'en ai 55 là-dedans. Ça vous dirait pas, vous n'avez pas eu l'envie de vous dépêcher un petit peu. Nos lames sont vôtres. Nous reprenons la route. Ce sont bien de nous dépêcher. J'ai plus personne. Dites-nous là-dedans. Quoi faire. Bon, bah toi tu vas aller péter ça. Vous n'avez qu'un mot à dire. Et toi tu vas aller charger. Va aller l'occuper, comme on dit. Bon, ça m'énerve quand même un petit peu qu'ils tiennent. Allons-nous au combat? Quels sont les ordres? Il y a un feu qu'il a. Allons-y! Ça va bien se passer! T'inquiète pas, ça. C'est moi où ils bug tous, hein. Souvenez-vous de l'entraînement! On va leur dire. Attention en dessous! Restez groupés! Restez groupés! En avant, soldats! Nous sommes les meilleurs! Bon, bah maintenant attaquer. À vos ordres, messieurs. Et vous me chargez, lui. Je vais se mettre mon épée. Je suis armé à moi seul. Et donc, on va bien m'attaquer par là. Fais ce que je peux. Bon, on va leur dire de faire ça. Du coup, les chevaliers et un truc qui sont tranquilles. On va leur dire de charger les gens à l'étrier parce qu'ils sont...
sont énervants, les emballés. Quels sont vos ordres? Quels sont vos ordres d'attaquer ça? On sait plus où on en est. Quatre, pas sûr de gagner c'est sur cette fois. Après tout, je suis pas un expert au jeu. Je sais plus où j'en suis. À vos ordres. J'ai besoin que vous allez me charger, seigneur. Il nous tape avec quoi? Il nous tape avec des flèches enflammées. On va crever. Nous attendons les ordres. Je crois qu'on va mourir. J'en vois mourir dans ce PV, les gars. Nous nous battrons avec courage. Je vais bien comprendre, mais... Moi, je m'en fiche que vous vous battez avec courage. Moi, je veux que vous les tuez. Allez, chargez-moi, seigneur. Oui, monsieur. Vous avez besoin de nous? À vos armes! Prêt! Ah non, si j'ai rien dit, il avait beaucoup de PV. Là, j'ai plus d'armée, j'ai plus personne. Bon, bah, je vous annonce que j'ai perdu cette partie. Alors, j'avais gagné quand j'étais Seuzel, donc c'est pas très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire une autre. On va faire celle-là. Percé sur son promontoire au chaud de la baie de Trémagog, avec une vue distante et son voisin, je verrais qu'on était érigé au début du 18e siècle. Une de ses sources a commencé la construction de château, mais après la campagne galloise d'Édouard Ier, il est occupé par les Anglais qui apportent de nombreuses améliorations. Sa principale particularité est sa grande tour suffisamment solide pour s'en penser à un gel de siège tel qu'une baliste ou un magano. Dès la première révolte galloise, les hommes de Wayne mirent qu'on abatte les murs et embrasse le château. Ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le commandement de la garnison. Pas sûr que je gagne. On va aussi baisser la vision, que je sache à quoi m'attendre. Ah oui, donc celui-là, je l'ai fait. Donc ça, c'est tous les ennemis. Et ça, c'est moi. Ouais, je sais, c'est pas énorme. Nous sommes vos loyaux archers. Escaladez ces murailles. Escaladez ces murailles. On va leur dire de se mettre là. Oui, messire. Vous... On va vous dire de mettre là. En avant, piquié! Nos flèches fendront les airs. Nous sommes en route. Nous sommes prêts. Apprêtez vos lances. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire une... Archer, tenez-vous prêts. Une formation... Oui, messire. ...qui serait capable de tenir le coup, quoi. Nous faisons un mouvement. Vous n'avez qu'un mot à dire. Allons-y! Donc là, j'envoie le chevalier. Et donc, là, on a... Là, pour entrer, c'est surveiller. Donc voilà, là, je vais laisser comme ça. On va dézoomer un petit peu, parce que j'ai besoin d'y voir bien. Sinon, après, la configuration me plaît. Eux, ils ont commencé à avancer. Ouais, ils ont construit un camp de siège. On va leur dire d'avancer un petit peu. J'ai peur de ce qu'ils vont faire là. Ils font un truc par là. Alors que je veux pas les attaquer parce que c'est trop dangereux pour moi quoi. Donc là mes archers commencent à ouvrir le feu. Ouf. Yeah. Non, pas directement par là. Messire, pitié, en avant! À votre service. Tenez bon! Purée, ils attaquent directement les archers. Nous sommes partis! Purée, pourquoi mes trucs elles ont avancé comme des idiotes? Nous partons au combat. Je suis à vos ordres, messieurs. Pied à terre. Charge. Les attaques
serpent retour. Nos flèches sont prêtes. En retrait, messieurs. Curieux attaque. Je suis un peu perdu. Mais si j'attaque par là, moi... C'est vraiment trop loin. Nos lames sont vôtres. Pour notre seigneur et maître. Je vais monter. Donnez-nous une cible. Il s'intéresse pas trop à là. Votre cible, messire. Donc, on va... Armons et parvons, nous irons. Levez-moi ces arbalètes, bande de bons à rien. En avant, marche. Plus vite que ça. Je vous écoute. Et il est neuf. Très bien, allons-y. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toute la défense là, et je mets les archers là pour faire que les armes. Donc j'ai quand même bien réussi à baisser leur nombre, mais ils ont quand même un camp qui fait extrêmement mal parce qu'il va faire attaquer. Je brûle d'impatience. Nous sommes en route. On va mettre là. Escaladez les murailles. Archer, à vos armes. J'ai perdu aussi une deuxième fois, mais bon. Des fois, il y en a qui n'en veulent pas. On va mettre le chevalier là-bas. On va mettre les 7 là. Pour l'honneur. On va mettre les 3. En avant. Nous sommes à vos ordres. Le but de ces archers, c'est d'infliger un maximum de dégâts là. Donc là ils vont les embêter. Puis là après j'ai tous mes chevaliers. Et puis après j'ai mon seigneur à couvert. Nous sommes vos loyaux archers. Oui, ils vont bientôt mourir ces archers, mais bon. Ils vont infliger un max de dégâts. Là ils sont nombreux quand même. Donc je risque de perdre. À vos ordres, messire. Quels sont vos ordres? Défendez ces lieux. Là j'ai envie de protéger un maximum. Il y a beaucoup de monde qui arrive. À vos ordres. J'ai quand même mon seigneur derrière. Je protège un maximum mon seigneur. Au revoir. Nous attendons les ordres. Au revoir mon copain seigneur. Tout le monde. C'est la fin. J'ai perdu. Bon ben j'ai perdu. Donc vous avez vu en quoi consiste le siège, vous avez vu un petit peu de bataille. Donc je suis contente de vous avoir montré ça parce que ça m'aide. Donc j'ai vu que cette vidéo va pas être très courte, va pas être très longue, elle doit faire 15 minutes, peut-être 20. Donc bon, merci d'avoir regardé, c'est une petite vidéo presque hors série pour vous montrer un petit peu le combat en avant-première. Donc vous connaissez Rengaine, abonnez-vous, mettez un like et tout le bazar. Allez voir la chaîne de mes amis Alexis Clash, Pandaru, Cobra Evan, Nigatech, Fatless 105. Et c'est tout. Donc merci, donc abonnez-vous et laissez un like. Et à plus, YouTube.